c'est que nous avons un monde dont l'activité est faite de réactions. La réaction que tu as par rapport à un événement, cette réaction, elle vient de ce que tu penses, de ce que tu connais. Quand l'événement se produit, il y a une réaction. Et cette réaction que tu connais, c'est celle que tu as apprise. C'est avec celle-là que tu vas réagir aux événements qui se jouent. Et le monde entier est dans cette effervescence de la réaction aux événements. Et ces réactions aux événements créent justement tous les effets, toutes les activités que nous avons dans notre société. Et toutes ces activités sont basées sur la connaissance de ce que nous avons appris. Donc, nous vivons dans ce monde avec ce que le passé nous dicte. Le passé nous dicte comment la vie devrait être. Donc, ce que tu fais, c'est que tu répètes tout le temps ce qui a été appris. Et en faisant ainsi, en fait, tu n'es pas en train d'être ce que tu es, tu es en train d'être ce que la pensée te propose. C'est-à-dire tu es identifié à ce que la pensée te propose d'être. Tu joues un rôle, tu n'es pas vrai. Tu es faux. Tu n'es pas ce que la pensée propose. Ce que la pensée propose, c'est ce que le passé était. C'est une référence du passé qui se réitère. C'est une mémoire qui a été emmagasinée et qui se réitère. Et tu as cette image que tu connais, et bien tu essayes de la mettre en œuvre. Tu joues le rôle de l'image que tu aimerais être pour te faire valoir. Mais en fait, ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es et bien autre chose. Et tout le monde, ce que tout le monde est sur la planète Terre, tous les rôles, je dirais pour la plupart d'entre nous, nous avons des rôles. Nous jouons un jeu, le jeu de ce qu'on aimerait être, le jeu de se valoriser face à l'autre. C'est quelque chose qui est entré dans les mœurs. Nous avons eu l'habitude de faire comme ça. Et ça se répète, sans même que nous soyons conscients de ce que l'on est vraiment. Parce que ce que tu es vraiment est au-delà de ce qui peut être pensé. Parce que la pensée, c'est juste une histoire qui se raconte dans le présent. Mais ce que tu es, et le présent vivant, où il n'y a pas d'histoire. L'histoire se fait maintenant, là. Et c'est à toi d'être acteur de cette histoire. Parce que quand l'histoire est faite, si elle n'est pas entremêlée de ce que la pensée d'hier dicte, alors ce que tu es à ce moment-là, crée justement toute l'harmonie qu'il y a besoin pour vivre ensemble sur cette planète. Bien sûr, ça demande que ta tête soit libre, libre de ce que tu aimerais être, libre de ce que tu penses devoir être. Il faut que tu sois libre. Libre de tout ce que le programme pensant te donne d'exécuter. Parce que ce que tu penses, ce que tu sais, tout ce que tu as appris est le programme qui te donne l'activité de comment faire pour exister. Si tu écoutes ce programme, tu vas exister selon le passé,
de tout ce que tu as pu vivre pour le faire exister. C'est quand la tête se tue, quand il n'y a plus rien qui est là, quand il y a un silence, quand il y a la tranquillité, alors que cette vie, ce moment vivant existe. Et ce moment vivant, pour la plupart, nous ne le connaissons pas. Nous le connaissons en tant que critère, en tant que concept, quelque chose d'idéal que l'on a fabriqué et qu'on aimerait le faire naître. Ce que l'on est en train de faire, c'est être ce que la référence du passé propose. Être vide, ça veut dire être libre. Libre de tout ce qui se passe dans le monde. La nature de celui qui est libre dans ce monde, c'est celui qui peut regarder ce qui se passe sans rien faire pour réagir. Tu peux voir tout ce qui se passe dans le monde, tu peux entendre tout ce qui se dit, tu peux observer comment ça se passe sans rien faire pour déranger ce qui se passe. Ça, c'est l'art de rester tranquille, l'art de ne pas intervenir dans la scène que la pensée propose. Quand tu es libre de l'action que tu dois faire pour réagir, pour mettre en place ce que toi tu aimerais, alors il n'y a pas de chaos. Le chaos s'estompe. Les choses sont comme elles sont. Parce qu'il n'y a personne qui vient pour interférer. Parce que la vie, elle se meut, que tu aimes ou pas. Qu'elle soit triste, heureuse ou malheureuse, elle se meut. Si toi tu veux quelque chose qui est à ton goût, alors tu ne seras pas observateur de cela. Moi je parle de regarder, de voir. Moi je parle de regarder, de voir le monde comme il est, sans but, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Accepter juste ce qui se passe et être observateur de cela. Quand tu fais ça, alors tu sais ce qui se passe. Il n'y a rien qui est mis sous le tapis. Tu es face à tout ce qui se joue. À ce moment-là, il y a une grande intelligence. Et cette intelligence connaît l'ordre. L'ordre qui doit être. Et cette intelligence ne fait rien, mais elle est juste là, comme étant l'ordre. Et comme l'ordre est présent, alors tout ce qui est désordonné disparaît. Mais nous ne regardons pas le monde comme ça. Nos têtes sont remplies de pensées, d'histoires, des choses que l'on aimerait, des désirs, des envies, de la violence, de la cruauté. Et nous voulons cela. Nous voulons quelque chose qui va nous égayer de la monotonie d'un monde qui ne bouge peut-être pas assez vite pour toi. Parce que les arbres, les fleurs, le soleil, les étoiles qui font tout leur cycle, la fleur qui pousse et qui fleurit, il semblerait que dans nos sociétés, ça n'a pas de valeur. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Nous sommes là pour gagner quelque chose. On nous a expliqué que au bout de toute l'activité que tu as, tu peux gagner quelque chose. Gagner une zone de confort, gagner un privilège pour que tu puisses en jouir, pour que tu puisses prendre plaisir de ce que tu as pu
gagner. Donc toute notre vie, ce qui nous intéresse, c'est gagner. Donc nous ne sommes jamais en paix. Parce que pour gagner quelque chose, il faut que tu poursuis tout le temps. Tu poursuis ce que tu désires. Et ce que tu désires, c'est justement la chose qui a été mise là par le programme d'un passé qui te dicte comment tu devrais être, comment tu devrais faire pour arriver à tes fins. Toute la pensée te guide vers ça. Et ton cœur, justement, quand tu es guidé par ta pensée vers ça, ton cœur se ferme. Tu n'es plus sensible à la fleur qui pousse, à l'essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est que nous puissions être là, juste présents, ensemble, sans se disputer pour un oui ou pour un non, parce que tu as des idées qui sont différentes des miennes. Non, c'est être là, présent, avec toute la faculté que tu as. Cette faculté, c'est d'être en silence, c'est d'être observateur de ce qui se joue, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Ainsi, tu ne critiques personne, tu ne compares rien, tu acceptes que c'est comme ça. Et en acceptant, ça veut dire que toi, tu ne fais pas non plus d'idéal, tu n'as pas de concept, tu n'as pas d'image, tu es présent avec un vide total. Et ce vide total, c'est l'ordre. L'ordre que nous avons tous besoin pour vivre, pour exister, pour se rencontrer, sans rien se demander. Parce que si personne ne demande et que tout le monde donne, il n'y a plus besoin de se bagarrer. Il n'y a plus besoin que l'on cherche. Il n'y a plus besoin que l'on attende de personne. Notre souci, c'est que nous attendons quelque chose de quelqu'un. Nous sommes dans l'attente qu'on soit égayé, qu'on soit sauvé de la misérable vie que l'on mène. Et le monde entier va là-dedans, comme ça, parce que c'est logique. Ça existe depuis des millénaires. Pourtant, ce qui doit se passer, le monde, même la vie, va te montrer. Tout fleurit, tout va vers quelque chose qui est accueillant, qui est immense, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et sortir de cette emprise où la pensée te dicte comment tu devrais faire est une pure révolution. C'est que dans nos sociétés, il n'y a pas de révolution. La révolution, ce n'est pas d'aller devant les préfectures, devant les institutions et crier qu'on n'est pas content. La vraie révolution, c'est de transformer tout ce qui se joue à l'intérieur de toi. La révolution, c'est d'abandonner ce qui t'empêche de voir. La révolution, c'est d'être présent pour être celui qui observe et celui qui voit. Et celui qui voit, il peut être en place pour faire quelque chose. Parce que celui qui voit, c'est l'intelligence. Et cette intelligence connaît la vie, connaît ce que la vie a besoin. Mais les pensées que tu essayes d'arranger, que tu essayes de mettre de l'ordre dans ce monde, toutes les actions, tous les contrôles que tu peux faire pour essayer d'arranger, remettra davantage de chaos dans ce monde. Inconsciemment, nous sommes en train de mettre le chaos. Inconsciemment, tu es celui qui est l'ennemi de la beauté, de la joie, de l'amour. Pourquoi ? Pose-toi la question. Pourquoi es-tu l'ennemi ? Pourquoi ne veux-tu pas être celui qui est silencieux ?
qui jouit du silence, de la beauté, de tout ce que l'éternité propose. Parce que ta tête a peur de l'éternité. Parce que est-ce que les pensées qui vont venir t'envahir sera un réconfort pour toi face à cette éternité que tu ne connais pas? Pourtant, il n'y a pas d'issue. Les pensées te limiteront. Et un esprit qui est limité par les pensées n'est pas libre. Il est dépendant de ce qui est proposé, de ce qui peut être gagné. Il est dépendant de la jouissance qu'il peut avoir, du privilège qu'il a gagné. Donc, nos vies sont occupées à chercher des privilèges pour construire une zone de confort. Et dans cette zone de confort, on meurt. Il n'y a pas de vie. Ça stagne, c'est l'habitude, le train-train. Et là, l'esprit erre pour quelque chose. Et quand il erre pour quelque chose, pour gagner un peu de gaieté, il crée du chaos.